La belle entre les belles, au creux du souvenir, conserve jalousement un long moment d'histoire. Le passé ne s'est pas figé dans la pierre impériale. Il s'y est réfugié et veille à sa permanence. On croirait que ces colonnes soutiennent la légende et le ciel. Et ces escaliers nous invitent somptueusement vers les hauts lieux de l'Algérie de toujours. Et la mémoire se recueille dans ces galeries qui jouent dans l'ombre et dans la pénombre, dans la lumière douce et la clarté lyrique. Le temple de Septime Sévère témoigne pour une éternité de l'éternité de la croyance et de l'amour des hommes. Rome s'étonne encore de sa vacuité et se prélasse dans la nostalgie des conciliabules d'antan. La porte de Cirta s'ouvre sur la plaine et veille sur la ville qui n'est pas morte. Le sommeil de la ville qu'engourdit son grand âge. Dans l'ordonnance sûre de leur géométrie patiente, la voie romaine attend quelques cars glorieux et quelques légions. La royale fierté d'un père dédia à Caracalla, fils de Septime Sévère, cet arc de triomphe. Les pierres ne meurent pas, et les dynasties se rassurent en gravant leur destin dans la pérennité du marbre. La légende, qui sait la précarité du souvenir, choisit des monuments à la mesure du temps. Et le temps, quand il se décante dans un monument, s'appelle de l'histoire. Même, la vie s'organisait dans ces deux exigences premières, l'utile et le beau. Ici même, la cité vaquait à ses amours, à ses joies et à ses peines, et se dépassait dans ses croyances. La place du sacrifice rappelait aux citoyens les mystères du ciel et l'inquiétude sacrée des vivants et des morts. L'impôt du sang était versé à ce qui est encore plus grand que les vivants et les morts.
et cette autre façon de vivre et de représenter la vie, le théâtre. Cette autre façon de se réunir, de se rassembler, qu'ont les hommes de s'abreuver aux sources de l'esprit. Cet autre théâtre de l'âme, le temple, avec le plus fabuleux des metteurs en scène, Jupiter, le dieu des dieux. Le musée nous prête ses origines. Et le regard de Septime Sévère devient l'impérial cicérone de ce pèlerinage au cœur du temps jadis. Que de trésors il a fallu pour que le mot civilisation trouve et retrouve son ample signification. En parcourant ce marché, il suffirait d'un rien, semble-t-il, pour que le passé ressuscite magiquement. Ici, l'on a mesuré l'orge, l'huile et le blé. Et la fontaine qui s'écoulait,
témoigne aujourd'hui dans le silence de son monologue de la fragilité des choses humaines. Il n'écoule plus qu'une intarissable méditation. Fenêtre en rosace tente de retenir le ciel. Les voûtes s'écrasent sous le poids impitoyable des siècles. La porte de Djili rappelle que la mer n'est pas loin. Les remparts s'évertuent vainement à protéger un passé de l'invasion inexorable du présent. Les portes s'ouvrent et se ferment sur une énorme solitude. Et le soleil qui se couche accompagne en ses rêves